C'est un métier que j'ai choisi vraiment par vocation. J'ai toujours eu envie d'être assistante familiale. Donc j'ai opéré un virement un petit peu à 180, j'ai tout laissé derrière moi et je m'y suis engagée il y a 8 ans. Et je n'ai jamais regretté parce que je n'ai jamais été aussi épanouie professionnellement que depuis que je suis assistante familiale. J'ai deux enfants à temps plein, un grand garçon qui vient de faire 14 ans, ça fait 8 ans qu'il est à la maison, et un petit garçon qui va avoir 7 ans, et ça fait quasiment 7 ans qu'il est à la maison. Donc le quotidien, c'est un quotidien, je dirais un petit peu de mère au foyer, sauf que ce ne sont pas nos enfants, donc je suis à la fois mère au foyer, à la fois assistante familiale. Et je m'occupe de l'éducation, je m'occupe des soins, je m'occupe des visites s'il y en a, je m'occupe de tout ce qui est médical et paramédical pour les rendez-vous. Et voilà, ce sont des enfants qui vivent chez moi 24 heures sur 24. Oui, c'est l'équipe de placement familial du département. Chaque enfant a un référent. Auquel je m'adresse si j'ai un souci ou que ce soit des renseignements administratifs, des rendez-vous. On met en place une équipe une fois par an pour le suivi. On reste en lien au moins une fois par semaine, je dirais. Et moi, ça me permet de faire le point de la semaine. Si j'ai un souci, de pouvoir le partager, de pouvoir m'en soulager, de pouvoir avoir des conseils pratiques, des outils. Psychologique ou autre. C'est un métier qui est intrinsèquement lié à la vie personnelle, sauf que ce ne sont pas mes enfants. Dans famille d'accueil, il y a le mot famille qui est très très important puisqu'on est vraiment tous une famille, mais chacun a conscience du rôle de chacun. Je pense que les garçons que j'ai à temps plein depuis plusieurs années ont parfaitement conscience que je ne suis pas une maman. Leur maman en tout cas, que je suis une maman mais pas la leur. Moi, c'est quelque chose qui est très clair également dans ma tête. Et même si chacun a son histoire avec des parents présents ou pas, ils savent quel est mon rôle, quelle est ma place. Et eux, ils savent aussi quel est leur rôle, quelle est leur place. Qu'ils ne sont pas les frères de mes enfants, qu'ils ne sont pas frères entre eux, qu'ils ont eux-mêmes peut-être une fratrie. Et que moi-même je ne suis pas leur maman, mais que je suis là pour malgré tout prendre soin d'eux, les éduquer et les mener vers leur avenir.